Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul spécial cadeau de Noël, je veux dire, enfin pas que parce que j'ai pris des petits trucs aussi qui ne sont pas spécialement cadeaux de Noël. Je suis allée faire un tour chez Primark dernièrement et il y avait pas mal de coffrets et je me suis dit, j'en ai acheté pas mal, j'en ai acheté pour moi aussi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te montrer ça en vidéo parce que voilà, ça pourrait te donner des idées pour des cadeaux de Noël. Mais avant ça, je vais inclure une petite partie dans cette vidéo. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Cette première partie de vidéo est en partenariat avec la marque Who We Are. Donc c'est une marque de bijoux. C'est pas facile à dire, désolée si j'écorche un peu le nom. Mais voilà, je te le noterai de toute façon. C'est une marque de bijoux française. Ils m'ont contacté dernièrement pour choisir un ou plusieurs bijoux. Ils m'ont donné un budget pour retester leur marque et bien sûr moi j'adore les bijoux et je me suis tournée vers des boucles d'oreilles parce que j'ai fait il y a un peu plus d'un an maintenant plusieurs trous à mes oreilles voilà et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir tester les boucles d'oreilles parce que c'est ce que j'aime le plus porter et que voilà je pourrais faire un petit mix. Ils vendent aussi des boucles d'oreilles à l'unité donc je trouvais ça pas mal non plus. Alors il faut savoir avant que je te présente mes bijoux. Donc, je l'ai dit, c'est une marque française qui travaille avec des partenaires français et espagnols. Ils livrent partout dans le monde et alors leurs bijoux sont en or 18 carats ou en argent massif. Donc, ils résistent à l'eau, ils résistent au savon, voilà, ils ne bougent pas dans le temps. Ça fait quelques jours que je les porte. J'ai mixé un petit peu tous les jours, j'ai changé un petit peu la façon de les porter. Je me suis lavé une fois les cheveux avec et ils ne bougent pas. J'ai des strass sur tous. J'ai pris tous des bijoux avec des strass et ça n'a pas bougé. Donc, voilà, c'est une bonne qualité. Ils me font pas mal du tout. Donc, c'est de l'argent, donc c'est vraiment une très bonne qualité. Et alors, une chose que je trouve plutôt importante et assez intéressante que la marque fait, c'est que pour chaque commande, ils reversent 50 cents à une association. Ils en proposent 3 et c'est toi au moment de passer commande qui l'a choisi. Ils ont pour la Ligue contre le cancer, ils ont pour la SPA et ils ont pour l'association e-enfance. C'est pour la protection de l'enfance sur internet. Donc voilà, je trouve vraiment ça chouette. En faisant un achat, bah, tu apportes un petit quelque chose à une association. Même si ça paraît pas grand chose 50 cents, si tout le monde faisait ça, bah, voilà, ça apporterait pas mal d'argent, pas mal de budget aux associations. Et donc voilà, je trouve ça très très chouette. C'était important pour moi de le mentionner. Alors, je vais te présenter mes bijoux. J'ai un code promo de 15% qui est valable à partir d'aujourd'hui pendant une semaine. Donc le code c'est Manolita15, je te le note juste ici. Voilà, c'est pas très compliqué. Je te mettrai aussi toutes les infos de toute façon en barre d'infos et les liens des bijoux que j'ai choisis. J'ai reçu ça dans une enveloppe et j'avais mes 3 bijoux. Enfin, oui, j'ai pris 3 bijoux. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles et 2 boucles à l'unité. Donc, je les ai toutes reçues dans cette petite boîte. Donc, voilà, c'était bien présenté. Là, il m'en reste qu'une parce que je ne l'ai pas mis. J'en ai mis qu'une des deux. Mais voilà, c'était très bien présenté. C'est arrivé très rapidement. Ça, franchement, j'étais vraiment étonnée. Et j'avais hâte de les recevoir parce que je les trouvais trop, trop beaux. Alors, j'ai d'abord pris la boucle coquette. Je me rapprocherai pour que tu puisses la voir. Donc, c'est une comme ceci avec 3 petits ronds strassés. Je vais zoomer pour que tu puisses voir mes boucles d'oreilles de plus près. Alors, la première, c'est celle qui est au deuxième trou, c'est les coquettes. Donc, c'est une boucle d'oreille en argent. J'ai pris tout en argent. Et donc, tu vois, il y a 3 petits points avec des strass du plus grand au plus petit. Tu peux la mettre dans le sens que tu veux. Moi, je l'ai mise comme ça. Je la trouve très, très, très jolie. Voilà, j'espère que tu la vois bien. Et donc, elle s'attache avec un papillon, tout ça. Ensuite, j'ai pris une boucle les rêveuses. Donc, c'est celle-ci, la deuxième, qui est tout en strass aussi. Je pense qu'au troisième trou, elle pourrait être très jolie aussi. Mais ici, je l'ai mis au deuxième. Voilà, je la trouve très jolie aussi. Elle s'attache aussi avec un simple papillon. Et voilà, elle est très belle. Elle fait vraiment tout son effet. Même là au-dessus, je pense qu'elle pourrait être jolie. À l'hélix, elle pourrait être jolie aussi. Et la dernière, c'est la paire. C'est les classiques. Donc voilà, c'est ici des petits brillants, tout simples, tout petits. Et voilà, pareil pour un troisième trou, c'est très beau, je trouve. Et donc, bah, j'ai la deuxième dans la boîte. Donc, elles sont vraiment toutes, toutes fines. Mais c'est super joli, c'est très discret. Et voilà, je les aime beaucoup. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je me suis dit que je pouvais l'inclure dans cette vidéo puisque je vais parler un petit peu d'idées cadeaux de Noël. Et ça peut être une idée de cadeau de Noël et de profiter de mon code promo de 15% pour pouvoir faire un cadeau de Noël à quelqu'un ou à toi-même. Pourquoi pas se faire plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à l'utiliser si tu passes commande sur la marque. Franchement, je te la recommande, les yeux fermés. Elle est vraiment nickel et les bijoux sont vraiment très beaux. Ils ont un peu tous les styles et ouais.
que ce soit aussi bien les bijoux dorés. Je mets moins de bijoux dorés que argentés, mais il y en avait des très beaux aussi. Et voilà, moi je regrette pas du tout ma petite sélection, je les aime beaucoup et je sais que c'est des bijoux que je reporterai très facilement. Parce que voilà, c'est tout simple, c'est ce que j'aime, mais avec le petit strass, ça a quand même une forme particulière. Enfin voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire, sauf que je les aime vraiment beaucoup et je suis très contente. Encore une fois, merci à la marque de m'avoir contactée et ça me fait très plaisir. Donc voilà. Et voilà, maintenant que je t'ai présenté cette petite partie en partenariat avec la marque We Are, on va passer à mes achats Primark. Tiens-toi prêt parce qu'il y a beaucoup de choses. J'ai un gros sac comme ceci. Il est hyper lourd. Il y a vraiment pas mal de coffrets, donc je vais te montrer tout ça. Il y a 2-3 cadeaux peut-être que je ne vais pas te montrer. Quoique si, je pourrais. Je pense pas que les personnes regardent spécialement mes vidéos. Ah, voilà, donc mon gros sac. Oh, je le pose. Alors, tout d'abord, je me suis pris un collier. Il est doré, il n'y avait pas argenté. S'il y avait eu argenté, je l'aurais pris en argenté, ça c'est sûr. Mais je le trouvais joli en doré aussi. Et voilà, je porte un petit peu du doré, mais pas en majorité. Et voilà, c'est celui-ci. Je le trouvais très beau. Il était au prix de 4,50€. Et voilà, ça aussi, que tu le prennes pour toi ou pour quelqu'un, c'est un beau cadeau. Il est très joli. Ensuite, lui, tu m'as déjà vu le porter. Je l'ai porté dans ma vidéo Disney Challenge entre copines, donc sur Vice Versa. C'est un foulard vert, voilà, comme ceci. Au prix de 3€. Et alors, tu peux le mettre de manière différente. J'en ai déjà acheté des foulards comme ça chez Primark que j'aime beaucoup. Et j'ai envie de me faire un peu plus rousse la prochaine fois que je vais chez le coiffeur. Et donc, du vert comme ça et du roux, ça va super bien ensemble. Donc voilà. Et puis le vert, on me dit tout le temps que c'est une couleur qui me va bien. Et je le trouvais très beau. Donc, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris un ensemble pour rester à la maison. Il m'est revenu quand même assez cher, mais j'adorais la matière. Donc, on a le pantalon comme ceci. Et alors, voilà le bas. C'est un bleu vert, un bleu canard un peu. Il paraît plus foncé, je trouve, à la caméra. Le pantalon coûtait 13€. Donc voilà. Et la blouse, toute simple, un peu crop. Elle était vendue 11€. Donc voilà, c'est une blouse toute simple. Petit détail aux manches. Petit détail en bas de la blouse. Voilà. Et je pense vraiment que pour rester à la maison le week-end, quand je fais rien, j'ai l'air comme, enfin, j'ai pas trop l'air en pyjama comme ça et au moins je suis à l'aise. Ensuite, le premier coffret que j'attrape, c'était 6€. C'est pour faire des scones. Donc ça, c'est une pâtisserie anglaise que j'adore. Je n'ai jamais vraiment cherché à en faire moi-même. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre ça. Donc dedans, il est mis baked with love. Scone mix and jam and spatula. Donc on a la petite spatule ici. Jam, c'est de la confiture. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Je cherche en français. Kit de cuisine avec préparation pour scones, confiture de fraises et spatule en bois. Donc voilà, j'ai hâte de tester. À mon avis, on a déjà la farine, enfin les ingrédients secs. Et on rajoute, je sais pas moi, du lait, du beurre, des œufs, je ne sais pas du tout. Je verrai, ce sera la première fois que j'en fais. Mais voilà, je trouve que c'est un chouette cadeau aussi. Je me suis pris un autre pyjama. J'avais envie d'un pyjama un peu Noël-hiver, mais qui ne fasse pas trop Noël. Donc voilà, il est comme ceci. Le pantalon est comme ceci à carreaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est resserré en bas. Et on a une blouse à manches longues, voilà, comme ceci. La matière est super agréable. Rouge bordeaux, il était vendu 15€ et voilà, je le trouve très beau. Il a l'air chaud mais pas trop chaud non plus, donc voilà, je pense vraiment que pour l'hiver, vu qu'on n'a pas encore des températures hyper froides, il sera très bien. Ensuite, je me suis pris ceci, j'ai hésité, c'était à 7€. On a une crème pour les mains, un duo de d'eau de parfum et une brume pour les cheveux et le corps. Et voilà, c'est de la gamme Paradiso. On me dit que ça pouvait, ça aussi ça peut être chouette comme cadeau. J'ai envie de sentir la brume, je vais l'ouvrir. Ocean Dream. Ça sent bon. Alors c'est plus estival comme parfum, mais ça sent très bon. Et voilà, pareil pour un petit cadeau à 7€. Il y a moyen de faire plaisir à pas mal de personnes avec un petit budget. Donc voilà, je trouve ça chouette. Il sent très bon. Ensuite, je me suis prise une petite bougie comme ceci avec un semblant de visage. On a le nez et la bouche. C'est un peu des pots qu'on a à la mode. Parce que je me dis, une fois que la bougie sera brûlée, je mettrai une petite plante dedans, faire des cheveux. Voilà, ça peut être chouette. C'est au parfum Linen. C'est du lin, ça, non? Elle brûle jusqu'à 35 heures. Ça sent très bon. C'est très...
très doux, très frais comme parfum, et elle coûtait 5 euros. Donc voilà. C'était marrant, lorsque j'étais à la caisse, la vendeuse, enfin la caissière, regardait tout ce que j'achetais, elle lisait sur les packagings ce que c'était, elle me dit « Oh mais c'est trop bien ça, moi j'avais jamais vu !» Elle me disait « Moi je travaille au rayon enfant, donc je ne vois pas tout ça, et il y a de bonnes idées, la bougie, elle dit « Oh c'est tout à fait mon style !» Voilà, c'était marrant. Ça fait plaisir de tomber sur des caissières qui sont sympas, parce que c'est pas toujours le cas. Désolée si t'es caissière, mais c'est vrai, il faut pas se le cacher. Et là, franchement, elle était super sympa, ça faisait plaisir. Ensuite, ça, j'ai pris pour mon chéri pour Noël, j'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo. C'était à 8 euros, et alors dedans, il y a des épices et des assaisonnements. Donc, là, je vois, ce n'est que des épices. Il y en avait une où il y avait une huile d'olive. Alors, donc il est mixé pour la viande, mais bon, on utilise ça où on veut. Il y a une Chipotle Lime, une Montréal, une Nashville Hot et une Originale. Donc voilà, on goûtera ça après les fêtes, mais je trouve ça chouette. C'est des beaux petits pots. C'est des petits pots en verre, je pensais, assez lourds. Et c'était 8 euros. Voilà, je te montre ça d'un peu plus près. Donc vraiment pas mal. Voilà, donc on me dit c'est des ingrédients secs pour faire des marinades. Donc voilà, on rajoute ça à de l'huile, on laisse mariner la viande et c'est parfait. Et ça, pareil, si tu connais quelqu'un qui aime bien cuisiner, bah, ça peut être une bonne idée de cadeau. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Je me suis pris pour moi ce petit carnet. Je suis fan de carnet et c'était avec la lettre M, donc comme Manon, bien entendu. Il coûtait 3 euros. Regarde, il est très beau avec le côté des pages dorées. Et c'est un carnet ligné, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais je le trouvais très joli. Et pareil, pour un cadeau, ben voilà, ça peut être chouette aussi. Pour aller avec mon carnet, je me suis pris un Bic. C'était le dernier, j'en ai pas vu d'autres. D'ailleurs, il n'est pas nickel, mais bon, je le trouvais très joli. Il coûtait 2 euros, voilà. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur, ici, c'est des fleurs séchées. Je suis dans ma passion fleurs séchées. Et voilà, je le trouvais très joli. Donc, pareil, un petit cadeau à 5 euros, un Bic, un carnet, et c'est fait. Ensuite, ça, j'en ai pris deux. J'en ai pris pour mon chéri et j'en ai pris pour un de mes cousins. C'est 3 petites bouteilles en verre avec de l'huile piquante de 3 niveaux. Il y a une douce, il y a une hot et il y a une very hot chili oil. C'était 10 euros. Donc voilà, pareil, c'est un chouette cadeau. On verra ce que mon chéri en dira, si ça piquait vraiment très fort. Moi, je sais que les very hot, je ne saurais pas en manger. La hot non plus. Peut-être la douce, on verra. Mais voilà, à nouveau, c'était pas mal. Ensuite, toujours dans ce qui est cuisine, pâtisserie. Ça, j'ai pris pour moi, c'est ce petit kit-là. Donc, c'est pour faire du pain d'épices. Donc, on a le mélange ici. On a un essuie derrière. On a une petite spatule toute mignonne. Et on a un emporte-pièce. C'était combien? 10 euros. Donc, voilà. Je trouve ça chouette. C'est un beau kit à nouveau. Et ouais. J'aimerais juste tester tout ça, voir si c'est bon. J'ai jamais fait de pain d'épices. J'aimerais bien essayer une fois. Donc voilà, on verra. Et alors, on est sur la fin. Pour moi, je me suis pris 2 paires de boucles d'oreilles. J'ai d'abord vu celles-ci. Elles étaient vendues 4,50 € en cœur avec des strass. Voilà, j'aurais pu les mettre aussi. Mais ouais, je les trouvais très belles pour les fêtes ou même pas spécialement les fêtes. Elles sont belles. Et puis, j'ai trouvé celles-ci qui se baladaient un peu toutes seules dans un rayon qui n'était même pas leur rayon. Elles étaient aussi à 4,50 € et c'était celles-ci. Et je trouve une tenue toute simple, noire ou quoi, une robe, un pantalon et ça pour apporter une touche de couleur, je les trouvais très belles. J'aimais beaucoup la couleur et voilà. J'aime beaucoup. Et alors, le dernier article que je me suis pris, j'ai hésité et puis bah voilà, Manon, passion, parfum pour le moment, je l'ai pris. C'est ce kit-là de 3 petites brumes pour le corps et les cheveux. Il y en a une, c'est la Peach Smoothie, la Watermelon Quench, j'étais obligée, pastèque, et Mango Fresh. C'était 8 euros pour les 3. Voilà. Et elles ont un format de 75 ml. Donc voilà, à mon avis, je les utiliserai plutôt en été aussi, printemps-été. Mais je trouve ça chouette, j'aime bien leur packaging. Pour une jeune fille, à nouveau, ça peut être plaisant. Donc voilà. Et donc ben voilà ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura donné des idées. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. Je ne fais pas spécialement d'idées cadeaux, enfin de vidéos idées cadeaux. Et je me suis dit qu'ici, bah, ça pouvait être peut-être le cas. Vraiment, si tu as l'occasion d'aller chez Primark, tu verras, il y a pas mal de coffrets comme ça. Il y a de tout. Hein. J'ai vu qu'il y avait des trucs sur Coca. Il y a vraiment de tout. Il y a des trucs Belaise. Bah ouais, il y a de tout. Cuisine, déco, les trucs un peu plus spirituels. Des coffrets pour les enfants aussi, les petites filles. Vraiment, il y avait de tout et
c'est parce que je devais quand même me retenir un petit peu, sinon j'aurais pris bien plus. Et donc bah voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.